Maître Coco Caillou dit bonjour. Oui, bonjour. On ne vous présente plus, après tout ce direct sur la RTNC, vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats ville de Kinshasa, mais vous êtes surtout celui qui représentait la partie civile dans le procès Vital Kamerhe. Alors, Maître Pierre-Olivier Sûr, ancien bâtonnier de Paris, avocat de Vital Kamerhe, s'est exprimé hier. Il a notamment dit qu'il va aller aux instances internationales parce qu'il contestait la régularité de la procédure pour le procès de Vital Kamerhe. Vous avez tenu à réagir. On vous écoute. Ben, merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour le petit temps que vous nous donnez en fait de dire un mot. L'intervention de l'ancien bâtonnier de Paris nous paraît tout simplement inopportune et voire même un peu maladroite parce que les règles de notre déontologie, il le sait, interdisent que nous puissions intervenir et commenter, n'est-ce pas, les affaires en justice, surtout lorsque celles-ci sont en cours. Or là, vous avez un dossier qui est en délibéré, et je crois qu'il se serait plutôt abstenu de faire un commentaire sur le dossier. Mais ce qui nous interpelle plutôt, et ce pourquoi nous avons tenu à intervenir, non pas pour commenter le dossier dans lequel une décision va intervenir, mais pour, si vous voulez, indiquer à l'opinion ce que je considère quand même comme inacceptable, que l'ancien bâtonnier de Paris, qui n'a pas le dossier, qui n'a pas été à l'audience, s'autorise de faire des insinuations sur le fonctionnement de la justice de ce pays. S'il avait lu sérieusement son dossier, il se serait rendu compte que les enquêtes ont débuté et que son client a été interpellé 2 ou 3 mois après. La procédure a été régulièrement et minutieusement menée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. D'ailleurs, lui-même ne s'est pas plaint de cela. Et deuxièmement, les règles de procès équitable auxquelles il fait allusion, écoutez, ce n'est pas un apanage d'un avocat français. Ces règles ont été bel et bien respectées lors de l'instruction de ce dossier. D'ailleurs, son propre client ne s'en plaint pas. Et donc, lorsqu'il indique qu'il va saisir le groupe de travail des Nations Unies pour qu'il y ait une indexation de la République et éviter que les bailleurs de fonds ne viennent, je considère que là, il est tout à fait en dehors des considérations d'ordre juridique et en rapport avec le dossier judiciaire. Et il va même plus loin pour évoquer le cas du Sénégal qu'il aurait pu mettre à genoux. Je considère qu'il y a là quand même une condescendance, évidemment pour lui, qui est quand même assez atavique et qui est inacceptable qu'un avocat, qui qu'il soit, ne puisse avoir de leçons à donner sur le fonctionnement de la justice au Congo. Et enfin, si vous voulez bien, je comprends qu'il se rend compte que finalement son action est une action tout à fait de jactance. Et sans doute qu'il se rend compte de l'inutilité de cette action, de l'inanité de cette action, en tout cas de son inopportunité, parce qu'il a conscience qu'en saisissant le groupe de travail des Nations Unies, il n'y aura aucune réponse qui puisse avoir une certaine contrainte sur le fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo. Alors, je comprends qu'il s'est fait payer, non pas pour se taire, mais je crois qu'il aurait bien fait tout simplement de prendre son train à la gare de Lyon jusqu'à Cornavin, en Suisse, aller saisir le groupe de travail, que d'essayer de toiser la justice d'un pays. Et enfin, lorsqu'il parle du dossier auquel il a eu accès, lui, ben, je comprends qu'il ait eu peut-être une seule partie du dossier. Les pièces dont il parle, rétraçables, les versements, les virements, pense-t-il que les 2000 pièces qui sont dans ce dossier, c'est des lettres d'amour que les parties se seraient échangées? Mais il s'agit bel et bien des éléments de preuve qui ont été apportés. Et lorsque votre radio lui pose la question sur la correité, mais l'ancien bâtonnier botte carrément en touche, en vous évitant complètement, comme si la notion d'ordonner, d'ordonnancer est une notion, mais c'est dans le Larousse et dans le Petit Robert, ce n'est pas en arabe, c'est en français. Il botte carrément en touche parce que visiblement, lui n'a pas vu dans ces dossiers-là l'état des correspondances que son client a adressées pour donner ordre à ce que les fonds sortent. Donc il était quand même important
que pour vos nombreux auditeurs à travers le monde, que cette mise au point soit faite et que si l'ancien bâtonnier a des arguments, parce qu'il a des certitudes, etc., bien écoutez, entre le prononcé de la décision, il n'y a pas une autre juridiction, en tout cas pas les médias, et qu'il n'a qu'à aller verser ou attendre sereinement la décision qui a été annoncée pour le 20 juin, puisqu'ils ont des certitudes, puisqu'il n'y a rien dans le dossier. Attendons sereinement que le tribunal se prononce, et si le tribunal est convaincu par ce que la partie civile, en l'occurrence, a développé, ben le tribunal tranchera. Si le tribunal n'a pas été convaincu, le tribunal acquittera, et en ce moment-là, on verra bien l'avocat qui a de leçons ou qu'il intervienne dans le processus judiciaire, non pas à travers les médias, ce que nous nous sommes interdits de faire depuis. Maître Coco Kayoudi, sans rentrer dans les détails, Maître Paul-Olivier Sûr parle, et cela avait été aussi dit par les avocats de Vital Caméré lors du procès, de pièces qui ne sont intervenues qu'au niveau de la plaidoirie, en dernière minute. Est-ce que ces pièces sont aujourd'hui dans le dossier du juge ? Je vous remercie. D'abord, c'est une méprise, encore une fois. Vous ne pouvez pas parler de plus de 2000 pièces qui sont dans le dossier à Kinshasa en vous trouvant dans un salon à Paris. Ça n'a aucun sens. Pour quiconque a suivi l'instruction, vous avez suivi, la partie civile a posé des questions à un certain nombre de témoins autour de leur enrichissement. Mais tout ça est documenté, c'est étayé. S'agissant de l'acquisition dont parle mon confrère, mais pourquoi son client lui-même ne l'a pas contesté et s'est fondu en explication en disant que le bien n'appartient, ne lui appartient pas, appartient à son épouse, à leurs enfants. Pourquoi ne s'est-il pas pourfendu ? Et lorsque mon confrère vous parle d'un prêt bancaire pour cette acquisition, mais je crois que c'est encore tout à fait une méprise, parce que le contrat existe et ce contrat est signé du mois de juillet 2019.